Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi 13. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de notre épisode parce que ça date de un bon moment que j'ai pas continué la suite de Webé. Donc Webé, qu'est-ce que c'est? C'est une aventure suivie que je fais avec des poufs et pas que des chiens, hein, aussi pour l'aventure suivie de elle-même. Donc je veux dire, c'est une aventure suivie, le but, c'est de faire une aventure tout simplement. C'est une aventure neutre. Il n'y a pas de truc compliqué derrière. C'est vraiment une aventure à l'aise, pépère. C'est un apprentissage à peu près, on va dire. Donc nous y allons. Ah oui, et comme vous avez vu, j'ai dû modifier mon skin parce que j'ai fait une gourde en fait. La truffe n'était pas bien mise et j'avais pas compris qu'elle était. En fait, avant, elle était. Tout était. Vous décalez les yeux et la truffe vers un cube de pixels de hauteur et vous comprendrez où sont les yeux. Vous allez me dire, ah ouais, en effet, ils étaient un peu trop hauts parce que maintenant, regardez, ça ressemble bel et bien à un fox sans panne et plus à un renard bugué moitié humain avec un menton. Enfin, voilà, c'était pas bien fait. Maintenant, regardez, ça ressemble bel et bien à un renard. Comme vous le voyez ici. Donc la suite, qu'est-ce qu'on faisait? Parce que je sais même plus qu'est-ce qu'on faisait. Apparemment, on minait, donc on va aller un peu récupérer de pierres pour continuer cette aventure. Voilà. On va continuer tout ça. On récupère un peu. Et je viens de capter que j'avais assez. On va faire 64 à un stack pour être sûr d'être tranquille pendant un bon moment. Voilà. Donc je ne sais pas de quel côté j'étais. Est-ce que je partais à l'aventure? Est-ce que je partais par là? Est-ce que voilà. Ah, un freeze. Ça m'énerve ce freeze. Je ne sais point. J'en sais rien du tout. Et comme il pleut, ben on va rester ici. On va continuer l'apprentissage, les recherches de minerais. Hein. On va d'abord user. Oh là, c'est abusé quand même. On va d'abord user un peu de. Donc je vais voir un truc parce que c'est bizarre que ça fasse ça. Bizarre. Alors, version 9. Ah non, les render distance sont bons. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est un bug. Surtout que je coupe tout à chaque fois. Hein. Je coupe le navigateur et tout quand je fais des vidéos. Vraiment pour avoir une fluidité maximum. Non mais c'est chez eux en fait, c'est une version bêta, hein, donc du coup il y a des soucis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement d'abord vider la pioche, donc on va la faire casser comme ça, ben ça sera une pioche en moins dans l'inventaire. Au lieu de la jeter de nulle part, elle dépopera. Bon, c'est une idée aussi, mais bon voilà, au moins on est sûr qu'elle a dépopé, puisqu'elle est cassée. Donc voilà, maintenant on peut reprendre tout le reste par la suite. Donc, désolé si je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pas facile de se concentrer avec des gens qui gueulent derrière mon dos. Enfin, derrière moi. Bon, c'est pas sur moi qu'on crie, mais c'est sur les chiens, donc du coup, ça me déconcentre un peu. Bon, voilà, donc regardez un peu. Du coup, on récupère des trucs naturels, vous allez me dire, c'est naturel tout ça. Hein. C'est pas non plus un truc descendant. Voilà. Oui, bien sûr, comme j'ai un peu des difficultés, j'emploie. Autre chose, vous l'entendez, j'emploie la manette Xbox parce que le souci c'est que si j'emploie mon clavier, ben c'est un peu chaud en fait parce que c'est un PC portable, donc du coup c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi il y a autant de freeze, il y en avait pas autant avant. C'est un peu compliqué en fait à gérer. Ben, c'est un clavier portable, donc du coup vous êtes fort près du PC, d'écran, et c'est chiant. C'est pour ça que je préfère employer le
clavier. Ah, je pense savoir pourquoi ça lag comme ça. C'est parce qu'il pleut en fait. Donc du coup ça pompe. En fait c'est ça les soucis. Hein. Quand il pleut, ben moi, regardez, ça fait bugger mon Minecraft. Voilà. Alors pour ceux qui se disent où ils sont, pour ceux qui se disent où sont les poufs, eh ben c'est simple, je les ai laissés dans leur habitat. Parce qu'en fait j'aime bien avoir des chiens comme compagnie. Mais je vais en prendre un à la fois à chaque fois, ce sera des réserves. Et à chaque fois qu'il y en a un qui est mort, ben j'en fais reproduire un pour avoir un bébé, etc. Donc comme ça, ben j'ai en bref j'ai une ressource illimitée tant que je pense à les faire reproduire. De wouhou, oui, une source illimitée de wouhou. C'est des poufs envahissants en même temps, vous avez oublié dans l'ancien épisode, ils arrêtaient pas de me bousculer. En tant que pouf, ils avaient que ça à faire. Mais bon, voilà, c'était assez mignon. Bon, maintenant, c'est le plus compliqué, c'est de... Merde. C'est de trouver... Oh, là, ça abuse quand même. C'est de trouver... Non, c'est là. La maison. Je sais pas où j'ai foutu cette maison. Enfin, je sais pas où elle est, surtout. Je sais pas où elle est du tout. J'ai une carte. Moi, j'ai pas de carte. C'est pas comme dans Minecraft sur PS Vita, là, il te donne une carte toute. Je pourrais pas faire un truc simple. Ah, putain, pourquoi ça lag comme ça à chaque fois? Ah, c'est dérangeant, hein, ça, à chaque fois que ça fait ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Il doit avoir une option que j'ai mal réglée. Difficulté. Bon, déjà, avec difficulté, il y a un souci. En paisible, que normalement, je suis censé être en au moins facile. Voilà, c'est réglé. C'est parce que la dernière fois, j'ai essayé à manette parce que je l'ai pas gelé il y a peu de temps. Et du coup, j'avais mis en paisible pour me promener dans des villes pour éviter que ça lag. Mais en fin de compte, ça changeait pas vraiment grand-chose puisque voilà, comme j'ai dit, le souci, c'est le Minecraft, c'est... C'est chez eux, quoi. C'est un problème chez eux, pas chez moi. Mon PC va très bien pour ça, il n'y a pas de souci. Puisque vous voyez bien, c'est fluide. Donc pourquoi après ça devrait avoir un freeze? C'est pas logique. Donc voilà, surtout que j'avais pas autant de freeze. Donc ça, c'est lié à la pluie, je pense. Quand il y aura plus de pluie, ben ça freezera un peu moins. Il est où? Oh, il est là. Mais j'avoue que c'est un peu agaçant hein, quand même. Donc je suis content de vous faire un let's play hein, de retour avec mon nouveau skin que j'ai enfin fini. C'est le skin final officiel. Parce que comme tout le monde, comme c'est moi qui ai vraiment construit sa tête et tout, ben j'ai fait des gaffes. J'ai fait des trucs un peu gaffeux. Et je peux vous avouer que regardez, les pattes. Oui, regardez, ils sont réglés. Pourquoi tu fais ça toi? Il n'y a plus les bugs. Essayez de regarder dans mon ancienne vidéo, vous allez voir. Regardez, au niveau de mes petites papatounes, il n'y a plus un bug de texture, de trucs bleus et tout. Tout est devenu normal. Même pour mes papatounes. Donc c'est réglé. J'ai réglé les soucis. Et oui, et en même temps, j'ai modifié le bug de la truffe, comme j'ai dit, qui faisait moins renard et qui faisait bugger. Donc voilà, c'est réglé. J'ai mon petit renard d'amour et j'en suis content. Ah ouais, j'adore ce skin, hein. C'est moi qui l'ai fait de toutes pièces. Enfin, pas de toutes pièces, sauf les vêtements, mais bon, ça, pourquoi se casser la tête quand on veut la même chose et les mêmes vêtements, autant reprendre chez quelqu'un d'autre. De toute façon, c'est pas du vol, hein. C'est simplement des skins par défaut proposés par Nova Skin. Vous aussi, vous pouvez vous aller chercher, essayer de trouver un skin. C'est comme si j'achetais des vêtements comme tout le monde à un magasin. Et forcément, comme c'est plusieurs stocks de vêtements qui sont les mêmes, de gym et tout, et que je m'habille comme quelqu'un d'autre dans la rue, et qu'on me dit, ouais, tu me répètes. Bah non, c'est juste que voilà, j'ai le même habit, c'est tout, mais c'est pas répéter la personne, donc je la connais même pas. Donc voilà, c'est ça en fait, en gros. Donc voilà, c'est super génial. Fais des boulettes. Ma soeur parle en train de lire, je sais pas. Bon, maintenant, on va essayer je sais pas combien de laine j'ai. Si on récupère une dernière laine, on pourrait dormir, par exemple, pour passer la pluie. Ah, mais non, je dis des conneries, parce qu'en fait, on peut pas. Il y a un souci avec la pluie. C'est qu'elle ne passe pas inaperçue, en fait.
Alors. Ah putain, mais c'est chiant à chaque fois que ça freeze comme ça. Putain, mais c'est chiant, c'est freeze tout le temps. Mon Dieu, mais et on est, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas normal que ça fasse ça. On va, je reviens à tout de suite, je vais redémarrer Minecraft, c'est bizarre quand même que ça fasse ça toutes les 5 minutes. À tout de suite. Re Donc j'ai redémarré le j'ai pas redémarré mon PC mais j'ai redémarré le Minecraft. On verra si ça bug moins. Je sais pas. C'est bizarre en tout cas quand même que ça fasse ça. J'attends en fait qu'il grandisse parce que j'ai la flemme d'aller plus loin. À mon avis, j'ai dans le cul. Allez grandis, petit truc. Allez grandis, 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 grandis. Allez s'il te plaît, grandis. Allez grandis. Tout grandis. Tout grandis, tout grandis. Oh, tant pis. Dommage. Bon, maintenant on va essayer de trouver. Ah ouais, je suis con, je le surveille malgré tout. Au cas où s'il grandit en plein temps. Non, ça va, il a l'air de pas grandir, il y a pas de troll. Vous voyez qu'après il a grandi quand on est parti. Là, ouais, encore un. Ouais, bon, on peut rien faire en fait, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas du tout. Ah mais plus, c'est une bonne nouvelle ça. Génial. Bon maintenant, on doit essayer de retrouver le point de départ quoi. Je ne sais pas où c'est. Déjà on va faire cuire, on va créer un établi. Je ne suis. D'ailleurs vous avez remarqué que mon personnage ne bouge pas la tête. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être la flemme, je sais pas. C'est un peu nul quand même qu'il n'anime pas sa tête. Ah, on est d'accord. Je sais pas pourquoi il veut pas. Oh, c'est censé bouger un peu la tête quand même quand on fait ça, non? Crétin. Non mais oh, il dirait qu'il y en a rien à foutre, tu sais, il fait ça par télépathie. C'est vrai que c'est drôle. Encore un freeze. Ah bah dis donc, il y en a des freezes aujourd'hui. D'accord, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire quoi? Ah mais non. Mais non, c'est juste. Bon, je triche un peu. Bah, en fait, j'emploie les deux. Hein. J'emploie la manette et le clavier pour ça. Attendez, je vais voir un truc. Non, mais j'en ai rien à foutre. Dégage, qui saloperie. Ah! D'accord. Mais avec ça, non, ça le fait pas. D'accord. Bon, bah, c'est dommage parce que du coup, l'animation, elle est pas terrible, quoi, en PlayStation. Ah, mais. De Joe. Donc voilà, on va continuer nos trucs. Donc voyons voir qu'est-ce qu'on devait faire. Ah oui, poser le minerai. Bon, on va utiliser la souris pour ça parce que sinon c'est chiant. Voilà, vous avez un mec qui fait un let's play avec deux choses à la fois, une manette et un. Qu'est-ce que j'ai fait là en fait? J'en ai rien à foutre de mon minerai. C'est pas ça que je veux moi, c'est la bouffe. Là, je fais n'importe quoi les gens. Voilà, c'est ça que je vais mettre en route, donc on va continuer. Attendez, à tout de suite, on m'appelle. Rebonjour à tous, pourquoi je me prends un coup moi? Ah, il y a un joueur. J'ai dit donc, j'ai eu de la chance qu'il m'a pas attaqué pendant que j'étais là. Hein. D'ailleurs, je sais même pas où je suis. Oh, bah, ah bah, je suis où là? Je me rappelle. J'ai pas rêvé, mais il me semblait que j'étais en train de faire un four ou un truc dans le genre. Ah, une chauve-souris, j'allais dire. En couvre, non. C'est par là que j'avais. Oui, voilà. Ou bien sûr, comme d'hab, la connerie me suit. Non mais dégage quoi.
Non mais allô quoi. Non, je suis comme. Ah. Oh bah si, je crève, je crève, c'est quoi? Ah mais non mais. Bon, en même temps, en tout cas, quand ça frise, je risque pas d'être attaqué, hein, donc pourquoi pas. Mais pas si longtemps non plus. C'est sérieux là? Bon, merci. Un problème, hein. Il y a vraiment un problème chez eux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont codé ça, mais il y a un gros souci. Mais non, mais casse rien. Mais mange, il est con. Merci. Rien du tout. On va faire cuire le stuff, hein, tant qu'on y est. Ouais, comme ça, au cas où, si je me fais tuer, ben. Ouais, je pense que c'est surtout ça que je ferai en français. Ah, regardez, il y a un Skyper qui va venir nous attaquer, attention. Préparons-nous pour la bataille finale de Skypir. De Skypira. Merde, une goutte. c'est pas drôle. Bon, on s'en bat les couilles. On bat les cacahuètes, par contre. C'est pas nous qui avons compris le coup, entre guillemets. Est-ce que je suis... Est-ce que je... Est-ce que j'ai... Oui, voilà, c'est pour ça que je prends autant de dégâts. Parce que j'ai pas d'habit de protection, en fait. Donc j'ai tendance à attendre un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner un peu. Je vais faire un... Avec ça, je vais pas aller arriver loin. Clair et certain. Non, c'est mon chien, enfin c'est notre chien, enfin je me comprends. Alors oui, oh purée, je galère avec cette verte. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ce qu'on n'a pas besoin en démineur. Et voilà. Et bien sûr, comme un con, il faut surveiller qui a pas de monstres. Si je me prends des monstres, ça n'ira pas. Et on s'éloigne un peu de son stuff pour éviter que ça n'aille endommager notre stuff. Bien sûr, j'ai encore des trucs, hein. Pas con. Hein. J'ai pas. Voilà quoi. Cette monnaie, elle sert un peu à rien. Bon, si je l'emploie aussi. Bon, on va la retirer. Je vois que ça sert un peu à rien. On va la retirer. Bon ben voilà, je joue en PC. Oh mais tu pouvais exploser là, tu sais, Creeper, ça ne me dérangeait pas. Hein. T'as été buggé. Bon, là. En fin de compte, ce que je disais à propos de Malmi, en fin de compte, ça va quoi. Il n'est pas si Malmi que ça. C'est juste les prises qui sont chiants. C'est à cause de la manette que ça fait ça, je sais pas. Puis il y a deux commandes à la fois, donc du coup, le truc ne supporte pas, je sais pas. Voilà, au moins, ça a été réglé. Je reste PCiste sur Minecraft, c'est officiel. Parce que sur. En fait, je voulais faire l'expérience, voir si c'était mieux avec la manette, mais non, en fait. C'est pire. C'est vraiment pire, je peux vous le dire. Et pourtant, j'avais envie d'y croire, hein, parce que c'est quand t'as un nouveau bijou, t'as vraiment envie d'y croire et te dire ouais, ça marche, nickel, les gens ils disent n'importe quoi. Mais en fait, non, c'est vraiment galère, quoi. Tu l'aimais? Tu l'aimais pas? Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, non? À moins que t'aimes bien crever. Putain, mais. Ah, il y a un gros souci là avec nous. C'est où? Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ouais, bah ma souris là, elle gagne pas en puissance, hein, parce qu'elle déconne et du coup. Enfin, il y avait un truc en dessous, c'est une souris à infrarouge, donc du coup il y avait un bug. Bon ben voilà, on peut repartir à l'aventure maintenant.
Je mangerai à la fin, manger de la rotomme fraîche. Ça, on va casser, on est d'accord, hein, c'est mieux de le casser pour le récupérer. Ça aussi, autant le casser comme ça va plus vite pour tout récupérer. Ça, on casse pour aller plus vite. Et voilà, on peut y aller, direction notre maison, ou en tout cas ce qui est censé être notre maison, parce que je ne sais plus où elle est. Ça m'agace vraiment. Oui, mais c'est freeze, c'est emmerdant. Ah bah c'est pas génial hein. Pas génial du tout. Bon bah comme ça vous voyez que j'ai des soucis avec Minecraft hein. Donc après cet épisode là je referai vraiment un épisode vraiment plus tard quand ceci ira mieux parce que avant il n'y avait pas autant de freeze en un coup mais si on a tout le temps et c'est emmerdant. Sais pas pourquoi ça fait ça, je comprends pas. Je vous rassure, j'ai pas de virus, j'ai pas de cheval de Troie que ça pouvait en jouer avec, mais non. C'est qu'Ignore ne trouve rien, Malwarebytes non plus, Badfinder Premium non plus. J'ai tout. Il n'y a rien. Si ces trucs-là ne trouvent rien, c'est qu'il n'y a rien. Hein. Logique. Avec l'analyse du système et tout. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est chez eux, hein. C'est une version bêta, donc du coup ça déconne un peu. Et par contre, je sais pas où j'ai laissé ma maison. Je sais pas où j'ai laissé ma maison, hein, sérieusement. Ok. Ok. Je sais pas où j'ai. Ah, mais voilà, encore un freeze. Purée. Il devrait vraiment régler ce souci de bug de Minecraft, sincèrement. C'est ennuyeux que ça freeze tout le temps comme ça. Donc, comme vous voyez, les gens, voilà, on va se quitter ici. Je sais pas où est ma maison. Je suis paumé. On se retrouvera pour. Bon, je vais plutôt arriver à une allée et on se quittera là. Une allée où je pense plus ou moins peut-être où elle pourrait être. Mais en tout cas, regardez-moi ça, quoi. C'est horrible. J'adore Minecraft, hein, mais voilà. Ici, c'est injouable. Enfin, si, c'est jouable, mais pas en filmant en tout cas. C'est parce que je filme que ça lag en plus. Je sais pas pourquoi ça lag à ce point-là, mais voilà, c'est en même. Normalement, c'est à ce niveau-là que je devrais avoir ma maison. Mais regardez, n'y est pas, quoi. C'est quoi ce qu'on devrait y être? Et plus loin, on va chercher plus loin, hein, pour voir si on la retrouve. Normalement, c'est par là, peut-être. Si on la retrouve, tant mieux. Si on la retrouve pas, donc encore un prix. Bon, au moins, ils sont moins longs, ceux-là. Si on la retrouve pas, on se dira au revoir, hein, on se quittera ici. Parce que je vais pas me casser la tête. J'irai chercher après en hors cam pour le prochain épisode. Enfin, en attendant, comme j'ai expliqué, avec ces freezes, toutes ces 5 minutes qui sont assez agaçants, je pense que le prochain épisode arrivera vraiment beaucoup plus tard. Pendant un bon moment, mon personnage avançait tout seul carrément. À quel point que sincèrement, Microsoft, là, il y a un gros souci avec votre. Moi, avant, je pensais que c'était à cause des rendeurs distance, mais ici, ça freeze pour rien, quoi. Et, faut pas abuser. Non, mais je trouve pas mal. Non, mais c'est quoi, ça? Qu'est-ce que je fous là? Surtout qu'il n'y avait pas de trou, là. Il y a même un bug d'apparition. Non, je déconne. Donc, c'est sûrement moi qui ai pas vu. Je suis trop doué, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, encore un joli freeze. Ah comme ça je vous prouve que je ne suis pas de mauvaise machin, etc. C'est vraiment le Minecraft qui freeze. C'est pas l'encodeur, puisque vous m'entendez toujours même quand ça freeze. C'est bel et bien Minecraft de chez eux qui a un souci. Parce que regardez, c'est fluide, quoi. Vous voyez. C'est fluide, je veux dire c'est assez fluide pour pas friser, enfin, voilà vous avez compris où je veux en venir. Donc voilà, donc je ne sais pas où est ma maison, je comprends pas, pourtant je semblais savoir où elle était, enfin non, il me semblait rien du tout. Voilà, bon, tant pis, hein, je vais faire une recherche hors cam, et quand j'aurai retrouvé on reprendra l'épisode, donc ça prendra beaucoup plus de temps que prévu du coup. Ouais, je peux pas jeter ce truc. Merci. Alors, hop. Non, de l'autre côté.
Oh. Encore un freeze. Ça, on le sait tout de suite parce que. Oh. Voilà. Non, là, j'en ai marre, hein. Regardez-moi ça. Là, c'est abusé. Donc, voilà, vous avez vu. Vous avez tout simplement vu qu'il y a vraiment un gros souci au niveau hardware ou je sais pas quoi de Minecraft, la version bêta. Ça freeze trop souvent. Avant, ça frisait moins que ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais bon, voilà. Donc, ça veut dire que pendant quelques temps, ça pourrait même risquer de prendre un an, je sais pas. Ou des mois et des mois. Je saurais pas vous faire d'épisode parce que je ferai des tests derrière sans publier pour voir si ça a été réglé. Donc, tant que vous avez rien, c'est que y a un souci avec Minecraft. Les seuls trucs que je pourrais faire entre guillemets, il y aurait quand même des prises, mais ce serait moins longtemps. C'est quand je découvre des nouveautés ou pour vous parler comme ça, pour quand même qu'il y ait un environnement quand je vous parle et pas une vidéo en noir. Donc, c'est la seule chose qui sera là. Mais sinon, voilà, il y a vraiment un souci. Je sais pas si on peut dire un souci d'hardware ou. Je sais pas comment on peut dire ça quand c'est un jeu. Je pense pas qu'on dit ça comme ça. Mais en tout cas, il y a un souci d'encodage dans le sens que il y a des anomalies qui fait des freezes, qui créent des freezes. Donc voilà, c'est une version bêta en même temps. Hein, vous savez bien parce qu'il le marque ici version bêta. Mais en attendant, il y a vraiment un gros souci. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout mon skin est de retour bien propre, réglé, plus de bugs, donc ça c'est réglé. Donc je vous dis à bientôt, c'était Lumi13. Donc bientôt ce sera Delphish, mais en fait je change pas encore de pseudo parce que je dois changer ma bannière du coup après. C'est pour ça que je vais pas changer de pseudo de chaîne, c'est parce que si je change après on va voir Lumi13 à la bannière, donc du coup ça les gens ils vont se poser des questions. Donc du coup pour l'instant je ne change pas de pseudo parce que je dois retrouver la bannière pour la modifier pour mettre Delphish à la place de Lumi13 et là seulement je pourrais changer mon pseudo de la chaîne. Donc je vous dis bye bye, donc pour l'instant je vous dis avec ce nom-là, donc c'est Lumi13, non Delphish, mais sur Minecraft c'est Delphish, mais bon voilà. Donc je vous dis bye bye, c'était Lumi13. Yo! En espérant que ça va être réglé ce souci-là. Bye bye!